Certaines personnes sont fortes en maths, d'autres sont de grands écrivains. Mais il existe des personnes qui ont le don de l'observation. Ils ont un œil de lynx et peuvent voir bien plus loin que les détails évidents. As-tu un œil de lynx? On va voir ça. Lucas fait visiter un musée à un groupe d'ados. Il veut leur montrer un masque très ancien exposé dans une des galeries. Le masque a disparu. Regarde attentivement l'image. Peux-tu aider Lucas à trouver le masque? Le voilà, dans le coin. Damien promène son chien Buddy dans le parc. Le toutou s'amuse et court à droite à gauche. À un moment, Damien le perd de vue. Il l'appelle et Buddy revient en pleurant. Son jouet préféré, un petit os, a disparu. Peux-tu aider Damien à retrouver l'os? Le voilà! Cet oiseau l'a probablement volé. Émilie adore les chats. Elle ne sait même plus combien elle en a. Mais il y a quelques années, il y a eu un petit couac et elle a adopté un joli petit chien. Est-ce que tu arrives à le repérer dans la pièce? Le toutou est probablement sorti se promener, mais il y a sa photo sur le mur. Les pirates Cooper et Ace ont découvert une carte au trésor. Ils l'ont suivi jusqu'à une île déserte. Ils sont sur le point de trouver le trésor, mais tout compte fait, ils ne sont pas sûrs de sa position exacte. Peux-tu les aider à devenir riches? Ils doivent juste regarder vers le haut. Là, sur ce palmier, il y a un écrin. Mariana est contente. Il y a des soldes dans son magasin préféré. Après une heure dans la cabine d'essayage, elle réalise qu'elle a perdu son sac qui contenait tout son argent et ses cartes de crédit. Peux-tu aider Mariana à retrouver son sac? Oui, le voilà, caché derrière ses robes. Marc a trouvé un chaton abandonné et décide de l'adopter. Un jour, il veut lui faire une surprise et il part à la pêche. Mais au moment de lancer la ligne, il se rend compte qu'il n'y a pas de hameçon. Il est pourtant certain d'avoir sorti le hameçon de son sac. Où est-il? Est-ce que tu le vois? Par là, sur l'herbe. Cooper et Ace ont trouvé le trésor. Mais dès qu'ils repartent de l'île, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur boussole. Impossible de naviguer sans boussole. Est-ce que tu es plus attentif que les pirates? Où est la boussole? Le pirate en bandana rouge. La boussole est dans sa ceinture. Est-ce qu'il l'aurait cachée exprès? Mia est allée faire des courses. Sa sœur lui a donné une longue liste de choses à acheter. Ça fait une heure que Mia essaye de trouver tout le nécessaire. Son chariot est plein à craquer et elle se dirige vers la caisse. Elle se rend compte qu'elle a oublié les céréales. Ou pas. Est-ce que tu peux les repérer dans son chariot? Mais oui, les voilà! Un groupe de jeunes va à la plage. Ils s'amusent beaucoup. Certains font bronzette, d'autres jouent dans les vagues. Deux d'entre eux font un château de sable. Pourquoi pas après tout? Tim tend la main pour prendre du sable pour construire une tour, mais au lieu du sable, il empoigne un crabe. Il hurle. Le crabe aussi est terrifié. La pauvre bête s'enfuit et se réfugie dans un abri sûr. Est-ce que tu le vois? Par ici, dans les buissons. Pour ses 20 ans, Brian a reçu un cadeau bizarre. 15 hamsters. Pas le choix, il doit les ramener à la maison.
Mais dès qu'il rentre, il remarque que l'un des animaux est en fait un imposteur. Un lapin. Est-ce que tu le vois ? Le voilà ! Il se cache derrière la roue. Brenda est styliste. Elle crée principalement des robes. Elle a reçu une commande très intéressante, mais aussi très urgente. Brenda se rue vers son atelier. Sa machine à coudre a disparu. À moins que tu ne puisses l'aider à la retrouver. Trouvée ! Elle est cachée sous un morceau de tissu violet. Hélène est allée rendre visite à son copain Jacques, qui habite une autre ville. Samedi, le chef de Jacques l'appelle pour qu'il aille au bureau. C'est urgent. Jacques s'excuse auprès d'Hélène et lui propose de faire un tour avec son vélo. Bon, pourquoi pas. À force de pédaler, Hélène meurt de soif. Elle laisse son vélo devant un magasin et entre acheter un soda. Elle sort du magasin 2 minutes plus tard et le vélo a disparu. Elle panique et pense que quelqu'un lui a volé le vélo. C'est le cas ? Non, le vélo est juste là, sous cet arbre. Hélène l'a mis à l'ombre, puis elle l'a oublié. Austin, le cow-boy, se la coule douce sur son rocking chair dans son ranch en admirant le coucher de soleil. Il ne le sait pas encore, mais il est en danger de mort. Un serpent est sur le point de le mordre. Parviendras-tu à sauver le cow-boy ? Il est juste au-dessus de sa tête. Il se fait passer pour une corde. Jason a beaucoup d'animaux dans sa ferme. D'habitude, il ne lui pose aucun problème. Mais un matin, il est réveillé par le piaillement de ses poussins. Il sort pour mener l'enquête et se rend compte que leur maman n'est plus là. Aide le fermier à retrouver sa poule pour calmer les poussins. La poule est juste ici dans les buissons. Elle cherche juste un peu de calme. Carole a un petit magasin de produits alimentaires. Depuis peu, elle reçoit de plus en plus de clients. Elle décide donc d'embaucher une assistante, Lucie. Lucie est très gentille, mais elle manque un peu d'expérience. Elle a mis les carottes avec d'autres légumes. Sais-tu avec quoi elle les a mises ? Avec les pommes de terre. Un jour, Jason se réveille particulièrement tôt. Il doit aller chercher sa femme à la gare de la ville d'à côté. Avant de partir, il a besoin de temps pour nourrir tous ses animaux. Mais, vu l'heure, Jason a fait quelques bêtises. Peux-tu les détecter toutes les quatre ? Jason donne des cailloux à manger aux animaux. Son chien est tenté de goûter à la nourriture des poules. Dans la poche de Jason, on voit une grosse liasse de billets qui est sur le point de tomber. Et, dernière bêtise, mais pas des moindres, Jason porte une grosse chaîne avec un cadenas autour du cou. Jeanne rentre à la maison après le travail et soudain elle remarque un drôle de nuage de fumée. C'est un nuage bleu tourbillonnant, comme les passages vers une autre dimension qu'on voit dans les films. Elle s'approche et pouf ! Elle est engloutie. Il fait tout noir. Quand elle reprend ses esprits, elle se retrouve en train de cueillir des pommes dans un jardin. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est dans un monde parallèle ? Il n'y a pas que des pommes qui poussent sur cet arbre, mais aussi des concombres. Un petit éléphant se cache derrière un buisson. Un chaton est en train de voler au milieu de pigeons. Et enfin, il fait beau et chaud, mais il y a de la neige dans le coin. Tu as vu ? Jeanne décide d'explorer cet univers étrange. Elle se retrouve dans une grange. Mais c'est une grange vraiment bizarre. Est-ce que tu arrives à repérer 4 éléments vraiment étranges ?
on peut commencer par cette sirène qui se baigne dans une flaque. Il y a aussi un diamant dans une brouette pleine de vieux objets. Il pleut dans le coin au fond de la grange. Et regarde par la fenêtre, il fait nuit et jour en même temps dehors. Jeanne continue son exploration. Elle rencontre deux personnes qui travaillent dans un champ. Elle remarque immédiatement cinq choses étranges. Tu les vois aussi ? Normalement, Saturne et son anneau ne sont pas visibles à l'œil nu depuis la Terre. On ne sait pas trop pourquoi, mais la dame utilise un sèche-cheveux pour jardinier. Un cactus pousse entre les radis. Mais le monsieur est vraiment le plus étrange. Il a trois bras et un serpent autour du cou. Jeanne trouve enfin une maison qui a l'air assez normale. Elle toque, mais personne ne répond. Elle entre. Elle se retrouve dans un salon. Malheureusement, tout est en fait aussi bizarre qu'à l'extérieur. Est-ce que tu peux repérer quatre éléments étranges dans la pièce ? Il y a une grenouille dans le plat des fruits, sur la table. Derrière le canapé se cache un chameau. Un poisson rouge nage dans la cheminée. Un micro est posé sur un balai à côté de la cheminée. Pour retourner dans son monde, Jeanne doit sortir de la maison et trouver deux choses étranges dans le paysage. Peux-tu l'aider à rentrer chez elle ? L'ombre de la grange ne correspond pas à la forme de la grange. Observe bien le coq. Ses jambes, plus précisément. Les coqs ont des jambes différentes.